m'appelle Miguel. Je suis l'un des plus riches vagabonds de cette forêt. Et je suis fier de moi-même. Je suis propriétaire d'une villa. Mon hobby est de collectionner du papier aluminium pour aller à la décharge et échange d'argent. À l'époque, je le faisais aussi avec des bouteilles vides, mais c'était plus lourd à transporter chaque fois. Bonjour, je suis Thomas. Je suis un clochard plutôt riche et je crois que j'ai bien réussi à réaliser le but dans ma vie. J'ai une belle maison. Et j'aime bien passer du temps dans la nature. J'aime être avec José, mon copain. Bonjour, je suis José. Je suis un clochard très pauvre, mais j'aime bien vivre avec ce que j'ai. En réalité, je n'ai rien, mais c'est bien que j'ai Thomas. Alors, parfois, je vais me coucher dans sa maison. Ah oui, j'ai aussi des actions chez Apple, mais comme je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas le vendre. On commence cet épisode. The ground is the limit chez Miguel. Oh! Attends! On va se réparer. Mais Miguel, ne paraît-il pas un miracle de patinage? Still got the pussy wagon! Merde! Je vais réparer mon parc! En même temps, José est en train de construire son premier projet. Une piscine. Ah oui, je pensais. Tout le monde à cette forêt a quelque chose. Alors, moi je veux une piscine. Une piscine ordinaire? Non, une piscine à la forme d'un pénis. Elle devrait surprendre. La voilà, ma piscine est prête à être remplie avec de l'eau. Thomas est en route vers sa boutique préférée, le poubelle. Aujourd'hui, il cherche un GSM tout nouveau. Ah, alors, Thomas, c'est un grand jour. Es-tu excité? Je préfère le chocolat noir. Je pense que tu n'as pas compris la question. Ah, oups, je n'entends pas bien. Vous voyez? Alors, j'ai demandé si tu est excité. Oui, bien sûr, j'épargne un peu. Thomas, je l'ai trouvé. Un GSM complètement nouveau. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah non, pas vraiment, non. Maintenant, il est temps de présenter nos clochards ensemble. Bonjour. Comment êtes-vous venu ici? Je suis au pied. Moi aussi! Ah, vous êtes vraiment des pauvres clochards. J'ai un véhicule pour m'amener à tous mes rendez-vous importants. Et vous habitez où? Je dors par terre. Comme ça, je dors mieux. Et vous, Thomas? Je dors dans ma belle boîte spacieuse. Oh là là, est-ce que c'est la boîte moche un peu plus loin d'ici? Quoi? Tu as volé ma boîte? Pas du tout. Et tu as aussi détruit ma boîte? J'appelle la police. As-tu aussi volé ma téléphone, Miguel? Mais non. Ah, tu confesses, sale voleur? Mais arrête! On le fixera plus tard. Allez, buvons un autre carafe. Après le meeting de hier soir, on retrouve José dans le pré. En ce moment-ci, il prend son petit déjeuner. Oh, bon. Oh! Voilà!
trouvé d'abord et maintenant c'est mon papier à lui. Hein. C'était sur mon territoire. Mais tu n'as pas de territoire. Quelqu'un a volé un morceau de papier à lui? Oui, José l'a volé. Mais non. C'est mon papier d'aluminium. Mais non. Ne battez pas, imbécile! Et avec cette citation, on finit cet épisode de The Ground is the Limit. Je préfère le chocolat noir. Je pense que tu... Thomas? Oui? Thomas? Voilà, ici, je l'ai trouvé. Manger. Oh, Summer. Pas du tout? 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 Quelqu'un a volé un papier! Oh fuck! Quelqu'un a volé un morceau de papier à lui? Ici. Quelqu'un a volé un... Oh, fuck! Oh, mais... Allez! Quelqu'un a volé un papier! Et avec cette citation, on finit cet épisode de... Stop!